cette vidéo cette semaine. Une joie grande, grande comme ça. Regarde, on dirait que ma tête elle est toute joyeuse. Est-ce que toi aussi, tu as vécu une semaine dans la joie? Ou alors t'étais triste? Peut-être t'étais aussi dans la joie comme ça. Regarde mon ami. Mon ami le mignon qui te regarde avec ses lunettes. Mais qui c'est ça? Mais c'est les amis, les enfants, voyons, petit mignon. Lui aussi, il est dans la joie, regarde. On voit ses dents. Alors, est-ce que tu t'es bien brossé les dents? Ouais, ça va, tu trouves pas? Il s'est bien brossé les dents. Ouh, toi aussi, montre-moi tes dents. Souris. T'es sûr que tu t'es bien brossé les dents? Good job. Alors, j'espère que toi aussi, tu as passé une semaine dans la joie. Dans la joie comme ça ou dans la joie comme ça? Ou dans la joie les deux? Alors, si tu as de la joie dans ton cœur, je te propose de te lever là où tu es et on va faire un chant ensemble. Et ce chant, il dit « Si tu as de la joie dans le cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie dans le cœur, frappe des mains. » Tu le connais ce chant? Alors, c'est parti! En avant la musique! Si tu as de la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe les mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes pieds. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes pieds. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe tes pieds. Si tu as de la joie au cœur, saute de joie. Si tu as de la joie au cœur, saute de joie. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, saute de joie. Si tu as de la joie au cœur, dis merci. Si tu as de la joie au cœur, dis merci. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, dis merci. Si tu as de la joie au cœur, viens danser. Si tu as de la joie au cœur, viens danser. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, viens danser. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe les mains. Ah, c'était cool de faire ce chant, non? Le Seigneur nous dit qu'avec lui, nous avons de la joie. Parce que la joie du Seigneur remplit notre cœur. Et on peut être joyeux, peu importe les circonstances. Même quand on est malade, on peut être joyeux avec le Seigneur. Ça, c'est trop, trop chouette. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, tu sais quoi? On va découvrir une nouvelle aventure dans la Bible. Eh oui, comme chaque semaine, est-ce que tu as ramené ta Bible? Je me demande bien, elle est quelle couleur? Elle est rouge comme moi, ta Bible? Alors, cette semaine, on va raconter une histoire dans la Bible, mais je t'ai réservé une petite surprise. Est-ce que tu connais les ombres chinoises? T'as déjà fait des ombres chinoises? Tu sais, c'est quand on met le drap derrière, puis après on fait comme ça, par exemple, pour faire le chien. Ouf, 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 ouf. Tu connais? Ou des fois, on peut faire comme ça, pour faire le papillon. Et cette fois-ci, je te propose de découvrir l'histoire du jour en ombre chinoise. Alors, c'est parti! Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Lorsque des brigands l'attaquaient, lui prirent tout ce qu'il avait.
ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme victime des brigands? C'est celui qui a été bon envers lui. Toi, fais de même, agis comme lui. Va, et toi, fais de même, agis comme lui. Cette histoire, c'est pas du tout une histoire inventée. C'est une histoire qui se trouve dans la Bible. Est-ce que tu crois que Lapinou a compris quelque chose à cette histoire? Attends, on va l'appeler pour savoir s'il a compris. Lapinou! Lapinou, viens voir, viens voir. Coucou les enfants! Je suis trop contente de te voir cette semaine! Moi, j'ai mon cœur qui est rempli de joie cette semaine parce que c'est bientôt Noël! Ça y est, j'ai vu que Estelle, elle a sorti le calendrier de l'Avent. T'as une idée qu'est-ce qu'elle a mis dedans? Je crois qu'elle a pas encore trouvé d'idée. Peut-être qu'elle va trouver, tu crois? Oh, Lapinou, c'est cool de t'avoir avec nous aujourd'hui. Toutes les semaines, t'es là maintenant, Lapinou. Hein. Franchement, on est trop contents de te voir. Vous êtes contents de voir Lapinou, les enfants? Alors, Lapinou, on voulait savoir, est-ce que t'as compris quelque chose à l'histoire avec les ondes chinoises? Bien sûr que oui! Il y avait un monsieur, après il marchait comme ça. Attends, qu'est-ce qui s'est passé après? T'as oublié? D'abord, il y a un monsieur qui est passé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est arrêté l'aider? Non. Non, il s'est pas arrêté. Et après, le lévite, il est passé aussi. Il a regardé, et puis est-ce qu'il s'est arrêté? Non, il s'est pas arrêté. Non, il s'est pas arrêté. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après, il y a le monsieur avec le cheval, mais lui... Oui, il y a le monsieur avec le cheval, le bon samaritain. Il est venu et il a fait quoi? Il a aidé le monsieur qui était blessé par terre. Il l'a pris, il lui a soigné et il l'a fait monter sur son cheval. Oh, trop de la chance! Moi, j'aimerais trop! Moi, j'aurais trop aimé aussi monter sur son cheval! Oui, Lapinou, mais là, c'était pas un jeu, il était tout blessé. Heureusement qu'il l'a fait monter sur son cheval. Et après, il l'a amené dans une auberge où on l'a soigné, on lui a donné à manger. Oui, même que c'est lui qui a payé pour que le monsieur il prenne soin de lui. C'est lui qui a payé l'hôpital, quoi, un truc comme ça. Oui, c'est lui qui a payé l'aubergiste. Le monsieur, il a pris soin de lui. Est-ce qu'il était obligé? Peut-être qu'il était pressé en plus. Et il aurait pu passer, tu vois, et dire, comme les autres, tu vois, le regarder et puis laisser sur le bord de la route. Tu serais arrêté, toi, tu crois? Pour l'aider, le monsieur? Oh, peut-être qu'il saignait en plus, il devait être tout blessé. Oh, et le monsieur, le bon samaritain, celui qui est à cheval, il s'est arrêté.
et il a pris du temps. Et il l'a soigné. Et il l'a même amené dans l'auberge. L'auberge, c'est comme l'hôtel. Et il a payé pour lui. Peut-être que ça coûtait de l'argent, t'as vu? Il a mis une pièce, deux pièces. Oh, il n'était pas du tout obligé de faire ça. Mais il a pris soin de lui. Tu vois? Hey! Vous savez quoi? J'ai trouvé mon calendrier de l'Avent de cette année. Tu sais ce que c'est un calendrier de l'Avent? C'est un calendrier un petit peu spécial. Pas comme les calendriers des papas et des mamans. Non, non, non. C'est un calendrier où quand on l'ouvre, regarde-moi ça. Oh, tout un village de Noël. T'as vu? Alors, il y a des calendriers de plein de manières différentes, mais moi, celui-ci, qu'est-ce que je l'aime. Et dedans, tu vois, il y a plein de petites fenêtres. Et tous les jours, tic, on ouvre et on met des surprises dedans. Tic, on ouvre ici et on met des surprises dedans. Et comme ça, pendant 24 jours. Et comme ça, du 1er décembre, 2 décembre, 3 décembre, 4 décembre, jusqu'au 25, j'ai une surprise. Et le 25, c'est Noël. Et du coup, comme ça, j'attends Noël et tous les jours, j'ouvre une petite fenêtre de mon calendrier de l'Avent. Le problème, c'est que je ne sais pas quoi mettre dedans. Parce que avant il y avait des chocolats dedans. Mais je ne vais pas remettre des chocolats. J'ai déjà tout mangé l'année dernière, ce qu'il y avait dedans. J'aimerais bien trouver des idées de quoi mettre dans mon calendrier de l'Avent. Mais pff, ça fait une semaine que je cherche. Et j'ai encore pas trouvé d'idées. Je sais pas. J'ai pensé des bonbons, mais pareil, je vais pas mettre des bonbons. J'aimerais bien mettre quelque chose d'utile, tu vois. Du coup, bah, pour l'instant, il est vide. Et bah, je sais pas. Si t'as une bonne idée, hein, peut-être tu peux me dire. Mais j'aimerais bien le remplir. Et parce que le mois de décembre va bientôt commencer. Bon, bah, j'ai cherché des idées. Moi, ça m'a trop parlé cette histoire. Parce que aussi, après la chanson, elle disait que moi, je devais faire pareil. Mais là, j'ai pas trop compris. Oui, Lapinou. Exactement, la chanson, elle disait que nous, on doit faire pareil. Oui, mais moi, je vois personne qui est blessé sur le bord de la route. Mais non, Lapinou. Bien sûr, on voit pas tous les jours des gens qui sont blessés sur le bord de la route, et heureusement. Mais cette histoire, les enfants, elle nous apprend que nous aussi, nous devons prendre soin des uns des autres et être bons avec les autres. Tu sais ce que ça veut dire, être bon? C'est comme les bonbons. Non, Lapinou, bien sûr que non, c'est pas comme les bonbons. Être bon, ça veut dire être gentil avec les autres. Ça veut dire que des fois, t'as pas trop envie. Par exemple, d'aller aider quelqu'un, toi tu voulais aller jouer. Et là, maman, elle appelle, tu peux venir m'aider? Et toi, tu dis, oh, non, j'ai pas envie, moi je voulais aller jouer. Et là, tu te rappelleras de l'histoire du bon samaritain. Le bon samaritain, il avait peut-être d'autres choses à faire, hein, que s'arrêter pour aider le monsieur. Mais heureusement qu'il s'est arrêté, hein. Oh oui, heureusement qu'il s'est arrêté, hein. Bah oui. Et donc c'est pareil, toi. Quand t'as pas trop envie d'aller aider quelqu'un, dans ton cœur, tu vas te rappeler maintenant. Ah oui, mais regarde, heureusement que le bon samaritain, il est venu aider le monsieur. Moi aussi, je vais prendre du temps pour aider. Et tu vas voir que ça va remplir ton cœur de joie. Oui, comme le smiley joie de tout à l'heure. Oui, exactement, comme le smiley joie de tout à l'heure. La Bible nous encourage à être bons les uns envers les autres, à être gentils les uns avec les autres, à être bons. Et tu sais qu'il y a plein de manières, Lapinou, d'être bons les uns envers les autres. Ah oui? Il y a quoi comme idée, par exemple? Ben, t'as pas d'idée, toi? Les enfants, est-ce que tu as des idées? Est-ce que toi, t'as des idées? Comment on peut être bon avec les autres? T'as une idée? Ah oui, ça y est, j'ai trouvé une idée! Mais je peux par exemple aider mon petit frère quand il n'arrive pas à monter la maison à Lego! Voilà, par exemple, tu peux aider les autres quand ils n'arrivent pas à l'école ou à la maison. Mais aussi, tu peux offrir des cadeaux. Regarde, c'est bientôt Noël. Au lieu de garder toutes les carottes pour toi, peut-être que tu peux en donner à ton petit frère ou en donner à des amis. Tu vois, ça c'est une idée par exemple. J'avais pas pensé du tout à ça. Tiens, tu me donnes une idée super chouette. Oui, tu vas voir qu'il y a tellement de joie. Tu vois la joie que tu as quand tu as un cadeau? Oui, ben c'est pareil
quand tu offres un cadeau à quelqu'un. Et tu vas voir, la personne, elle est tellement contente après que toi-même, ça remplit ton cœur de joie. Tu comprends? Toi aussi, tu as déjà offert un cadeau. Peut-être tu peux faire un dessin, par exemple, et le donner à quelqu'un. Ou peut-être tu peux fabriquer quelque chose. Et après, tu peux l'offrir. Et tu auras tellement de joie dans ton cœur parce que Dieu aime quand on donne avec joie. On peut, par exemple, prendre soin de ses voisins. Est-ce que tu as des voisins, toi? Est-ce que tu as des voisins? Elle a dit. Oui, ils ont entendu, la finou. T'as des voisins? Bah, tu peux, par exemple, aller leur faire un cadeau pour Noël pour leur montrer combien tu les aimes et combien Dieu les aime aussi. Peut-être qu'ils ne le savent même pas que Dieu les aime. Peut-être que t'es la seule personne qui va leur dire. T'as des voisins, la finou? Oui, moi j'ai un voisin, monsieur... Attends, j'ai oublié son nom. Monsieur... Ah oui, monsieur Michel. Eh ben, monsieur Michel, par exemple, lui, il est un petit peu vieux. Et parfois, ben, il a du mal à porter ses courses. Ou aussi, il a du mal à traverser la route. Parce que, ben, il voit plus très 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 bien parce qu'il est un petit peu vieux. Du coup, ben voilà, des fois, c'est un petit peu difficile pour lui, par exemple. Ben voilà, c'est un bon exemple, Lapinou. Tu peux aider monsieur Michel à traverser la route, par exemple. Ou tu peux aussi aller lui donner des petites surprises, des fois, tu vois. Il va être content parce que s'il est vieux, peut-être qu'il est tout seul dans sa maison et qu'il serait content d'avoir Lapinou qui vient lui raconter des blagues. Ah oui, en plus, moi, j'ai plein de blagues. Tu vois, ça fait plein d'idées, dis donc. Il y a plein de choses que nous aussi, on peut faire pour être bon avec ceux qui nous entourent. Ah oui, c'est trop des bonnes idées ça, mais j'ai trop peur d'oublier. Oh, mais t'as raison, Lapinou, ça y est, je viens d'avoir une idée. Je sais qu'est-ce que je vais mettre dans mon calendrier de l'Avent. Ça y est, j'ai trouvé une idée. Quoi mettre dedans? L'histoire du bon samaritain d'aujourd'hui m'a donné l'idée. Je sais, je vais mettre dedans, chaque jour, quelque chose pour bénir à côté de moi. Pour bénir mes voisins, pour être bon avec mes parents. J'ai fabriqué plein de petits trucs et je vais les mettre dedans. Et comme ça, tous les jours, je vais me rappeler d'être bon envers ceux qui m'entourent. Alors par exemple, bah tu vois, je vais mettre dedans ça, qui me rappelle que aider maman, papa, ma petite sœur, mon petit frère, fait plaisir à Dieu. Alors, tic tic tic, ça je le plie. Alors... je vais le ranger dans la case numéro 3. Allez, on ouvre. Tic, tic. Et je vais le ranger dedans. Et comme ça, quand ça sera le troisième jour, quand je vais l'ouvrir, je vais me souvenir. Après, j'ai fabriqué ce petit sapin, tu vois, comme ça. Regarde, c'est mon petit sapin de Noël. C'est une petite décoration que j'ai fabriquée. Et en fait, au début, je voulais le garder pour moi. Mais en fait, je me dis... ben, je vais le cacher dans mon calendrier de l'Avent. Et quand ça sera ce jour-là, alors on le met où? On le met... on le met ici, par exemple, au numéro 20. Et ce jour-là, ben, j'irai voir ma voisine ou ma copine. Je ne sais pas trop à qui je vais l'offrir. Et je vais lui offrir. Alors, je le range dedans. Tic, regarde. Il est caché. Et je referme. Ça sera la surprise. Ça sera le 20. Ensuite, peut-être que je peux cacher pour me souvenir de prendre soin de ceux qui sont malades ou ceux qui sont handicapés. Alors, ben, ça, je veux pas l'oublier. Alors ça, je vais m'en rappeler. Le 17, par exemple, on le range ici, on le cache ici. Comme ça, quand on sera le 17 décembre et j'ouvrirai cette fenêtre, ça me rappellera. Oh, il faut que j'aide aussi ceux qui sont malades. Et ce jour-là, je pourrais, par exemple, faire un dessin pour ceux qui sont malades, tu vois. Et puis, il me reste encore des idées. Ah, regarde, par exemple, qu'est-ce que t'en penses? Regarde, j'ai fabriqué une petite étoile de Noël que je compte offrir à la maîtresse. Parce que je me suis dit qu'elle devait bien aimer, probablement, cette étoile que j'ai fabriquée. Alors, on le cache où? On le cache... on va le cacher... au numéro 1, ça te va? Le premier jour, comme ça, le premier cadeau, ça sera pour la maîtresse. Alors, tic tic tic, j'ouvre ma fenêtre numéro 1, tic, et je vais cacher mon étoile dedans. Et comme ça, le 1er décembre, j'offrirai mon étoile à la maîtresse. Oh, j'espère qu'elle va être contente. Et je vais remplir comme ça toutes les 24 cases. Et comme ça, tous les jours jusqu'à Noël, je me rappellerai
de faire du bien à tous ceux qui m'entourent. Qu'est-ce que t'en penses comme idée? C'est chouette, non? Tu peux faire pareil chez toi, fabriquer un calendrier de l'Avent. Il n'est pas obligé de ressembler comme moi à une maison. Et ça peut être plein de formes différentes, les calendriers de l'Avent. C'est une bonne solution, non? Ah, trop cool! Je suis contente d'avoir trouvé une idée. Je t'encourage, Lapinou. Tout ce qu'on vient de dire, à le mettre en pratique. Et toi aussi, à le faire avec tes amis, avec ton frère, avec ta sœur, avec tes voisins, tes parents. D'être gentil, d'être bon. C'était chouette de t'avoir avec nous. Ça nous a fait super plaisir. Ça vous a fait plaisir, vous aussi, d'avoir Lapinou avec nous? Moi, en tout cas, ça m'a fait une joie énorme, comme le smiley cœur de tout à l'heure, de t'avoir aussi cette semaine. Moi, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous baveux de Lapinou. C'était trop chouette de faire cette vidéo et je t'encourage, tout ce qu'on a dit, à le mettre en pratique. Et peut-être que t'as pas un calendrier de l'Avent comme moi, mais par exemple, tu peux prendre un sac et dedans, tu mets des idées. Et tous les jours, tu pioches dans le sac des idées de choses que tu peux faire autour. Faire un dessin, faire des gâteaux, aider quelqu'un à réparer son vélo, comme on a vu dans la vidéo. Il y a plein d'idées que tu peux avoir. Et prie et demande à Dieu, Seigneur, donne-moi des idées. Tu veux qu'on prie ensemble maintenant? Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu remplis notre cœur de ta joie. Et tu nous demandes dans ta Bible d'être gentil et d'être bon avec ceux qui nous entourent. Donne-nous, Seigneur, plein d'idées pour bénir tous ceux qui nous entourent. Dans le nom de Jésus, amen! Je te fais des gros bisous. Et je te dis à la semaine prochaine!